Bonjour, je suis Alexandre, j'ai 25 ans, j'ai fait un bachelor communication à l'ISCPA et ensuite je suis parti faire un master en design graphique et direction artistique au Canada. Et moi je m'appelle Clément, j'ai 26 ans et quand Alex est rentré du Canada, on a créé la team Dada. Et on l'a officialisé en fait quand on a fait le concours des chatons. On a gagné donc la petite statuette et donc on a dit ok c'est bon, la team Dada est lancée. La team, c'est important dans le milieu de la pub parce que ça nous permet d'avoir une vision extérieure en fait. On peut par moments bloquer sur les idées qu'on a et du coup en fait c'est en ça qu'une team est importante en pub parce qu'on est hyper complémentaires et je pense que si on n'a pas notre team, le métier serait un peu plus compliqué quoi. On peut ne rien faire toute la journée, mais à 18h ça peut être le feu et hop, il y a un client qui appelle et hop, on a besoin de ça demain à 10h, bah ok, bah on est parti pour la nuit. Souvent on est sur plusieurs projets en même temps, donc c'est toujours le rush. On s'est dit toujours que freelance c'était un moyen de mettre les pieds dans les plus grosses agences, de rencontrer beaucoup de monde. Ça bouge tout le temps et c'est pour ça que maintenant dans les agences, on a des pôles qui sont faits justement pour trouver et façonner les nouvelles technologies pour que nous, après directeurs artistiques et directeurs de création, on puisse les utiliser afin de rendre la campagne plus intéressante, nouvelle et innovante. Il n'y a plus de médias traditionnels en fait, c'est un ensemble de médias. Ça évolue vite parce qu'il y a encore quelques années, je dirais 2-3 ans, on parlait de campagne 360, campagne globale. Mais maintenant, on appelle juste ça une campagne parce que forcément, on passe par du digital, du print, du outdoor. Dans ce domaine-là, la publicité, encore plus en création, c'est un travail de tous les jours. Regarde les pubs de la création de la publicité qu'on appelait encore la réclame jusqu'à maintenant. Intéresse-toi à Bernbach, à Jean-Marie Dru, à Philippe Michel. L'école, c'est important, mais il faut vraiment se faire sa propre culture soi-même et bosser à fond de son côté.